Avant que la vidéo commence, je tiens à avertir les personnes sensibles du niveau audio à 4 minutes 54. Dans les épisodes précédents du 3-4ème, après avoir dû affronter un creeper par surprise, je suis mort d'un coup de patte d'araignée directement au respawn à un autre creeper, m'a-t-on dit. Mais ce n'est pas tout, car nous avons découvert un troisième bout de notre île ainsi qu'un village. Plutôt paisible et joli, mais notre première nuit fut plus qu'agitée. Des creepers volontés, des araignées également, des squelettes fuyant leur destin. Durant un combat avec des zombies, j'ai pris feu, sans même y remarquer. Merde, je suis en feu, Je tue les deux derniers mobs pour laisser la place à ce tout nouveau jour. Je vous laisse avec la fin de l'épisode numéro 10 et également je vous souhaite un agréable visionnage tout en espérant que vous aurez pris de quoi boire et manger et que vous vous serez installé confortablement. Il y a un squelette dans l'eau lui. Oh gros. Oh, il y a des moutons. Allez hop. On va se faire les moutons, non, on va pas les tuer. Ils sont ok. Il y a un araignée ici. Je sais pas si j'ai de quoi de... Non. La laine, est-ce que j'ai de quoi de la récupérer? Bon, j'ai transformé, vous savez quoi? Oh non, il y a 3 blocs en plus. Je peux faire ça et je vais gâcher un bloc, tant pis. Hop. Et on va le mettre... Ah, j'ai une table de graphe, j'ai une idée, je vais faire une pelle. Ça peut marcher. Et la tulipe, je peux l'enlever. Et du coup, ça revient à la base. Alors, les moutons. Wesh, c'est une jarrigène. Ah, il y a des poulets, il y a plein de trucs. Ok, je vais essayer d'attirer les moutons. Les moutons. Ok, bon, moi j'en ai un, deux, le troisième là-haut, je vais essayer de l'avoir. Viens là, mon grand. Et on en a laissé un troisième partir. Je sais pas où il est. On a 3 moutons, on va les ramener au village, vous en pensez quoi? Ah, mais qu'est-ce qu'il fout là, monsieur? Bonjour, monsieur. Écoutez, je vous ai apporté du gibier. Hé hey. Par ici. Hé, hey, toi. Regarde-moi, regarde-moi ça. T'en veux? Regardez, c'est du bon blé. En plus, cultivé par de très bonnes personnes, hein, du coin. Vous suivez toujours? Il y a l'abeille qui est là, toujours. Dans le truc, j'aurais dû faire le tour. Alors, regardez-moi cet enclos. Attendez, je vais casser ça. Oh, le cochon, non, il est parti. Et vous restez. Oh, j'ai pas de carottes. Oh, les cochons, non. Oh, les... Hey, le cochon, je te jure. Bouge pas le cochon. On va le faire à la vieille méthode. Je vais les encercler, vous savez quoi, je vais les encercler. Voilà, je vais encercler le premier cochon. Il est encerclé. Ok, le deuxième. Parce que vu que j'ai pas de carottes pour le moment. Non, tu vas là-bas, toi. Allez, va là-bas. Va là-bas, vilain. Non, vilain. Vilain cochon. Quoique, c'est pas plus mal ici, si je commence comme ça. Vilain cochon, voilà. J'ai réussi à les. Oh. Et vu que j'ai pas de carottes, c'est compliqué. Là, vous voyez, bon, là, j'ai ramené des moutons, d'ailleurs. Je vais aller les tailler un peu. Je suis contre. On n'a pas besoin en fait de les tuer. Moi, même dans la vie, moi je pense on n'a pas besoin de faire. De tuer les animaux. J'en ai tué aucun de l'aventure et je suis toujours en vie, regardez. Hop, hop. Hop. Mais comment il a retrouvé ses poils aussi rapidement lui? Où j'ai mis mon truc? Alors, on va essayer au fait d'aller chercher. Du coup, le diamant. Ce qu'on galère à trouver depuis au moins 2 heures. Oh, il y a une grotte là-haut. Bah écoutez, je vais mettre à fondre ces 5 là pour faire du charbon. J'ai laissé tout mon charbon ailleurs. Oh, il y a une grotte ici aussi. On va partir à l'exploration du coup. Allez. Oh bah on a du charbon ici, on a du fer encore. Bon, il y avait rien. Wesh. Eh, faut pas abuser là, les. Coucou! Mais wesh! Mais y'a combien de creepers? Wesh! Eh! Vous avez vu ça? Il y avait une armée de creepers, j'ai rien compris là! À ce qu'est-ce qui se passait? Mais. Oh! Ça va?
toujours vivant. Désolé pour ce son saturé, mais avouez que je pouvais pas m'en empêcher, là c'était du troll. Et il a quand même explosé, il était loin quand même. Il y a quoi par ici? Il doit peut-être... Oh, y'a rien, c'est un cul-de-sac. Je vais en profiter quand même pour récupérer un peu de charbon, vu que j'en ai plus. Quand est-ce que je vais trouver du diamant? Donnez-moi quelques astuces pour en trouver, parce que là, je galère depuis 2 heures. Le joueur essaie de me troll. Il s'est dit, je vais pas toucher à ces minerais, regardez ce qu'il y avait derrière. Oh non, mais il m'a encore troll par-dessus. Oh, le jeu, là, t'es vache, le jeu. Hein. On va se refaire des torches, 64 torches. Voilà. Au moins, là, on est plein, on va reprendre du pain. On est blindé. J'entends un squelette pas loin. Oh! Wesh! Il venait de tout quand même. J'ai mis des torches, il devait venir de l'autre chemin, je pense. Parce que là-bas, il y avait la sortie. Et par ici, il y a quelque chose. Oh, c'est la même chose, c'est le même chemin ici. C'est un donjon, ça! C'est encore un truc de spawner? Oh non, y'a un creeper. Je veux pas casser le spawner. Wesh, il court vite lui. Eh hey mec, du calme. T'as pas le feu au cul. Allez hop. Eh, hey, je gère hein. Comment on... Tu vois comment on fait par exemple non, c'est F3 pour voir. On voit où la couche? C'est quoi ces blocs? C'est chunk? Non, c'est la couche 12, c'est où en fait? Je sais pas trop où c'est. Et c'est encore un spawner à squelette, c'est ça? Putain, on trouve que de ça, hein. C'est le deuxième que je trouve. Et y'a pas de coffre là. Ah, déçu, y'a pas de coffre. La torche là, elle va pas tenir. Y'a du fer. Y'a pas grand chose hein, dans cette grotte, difficilement. Ah, j'ai laissé. Putain, j'ai pas laissé ça, j'y prends. Au lieu de mettre des blocs pour tes murailles, fais des barrières en pierre. Mais comment on fait les barrières en pierre? Je me rappelle plus. Je crois que c'est 3... Non, c'est 6 allongés. Ouais, 3 sur 3 lignes. 3 sur 2 lignes à chaque fois. C'est ça, il me semble. Qu'est-ce qu'on a par ici, alors? Mais... du coup, en fait, faut qu'on m'explique comment on fait déjà pour la couche 12. Non, je vais pas mettre la torche ici. Ah, il y a une sortie ici. Je vais sortir par là, je pense. La couche 12, c'est quand Y12. Oh, ok, ouais. C'est bien un rapport avec Y, mais je savais plus comment on voyait ça. C'était... Enfin, un rapport avec X, Y, Z, mais je savais pas c'était quoi, du coup. Oh, on a de l'eau. On est arrivé à un lac. Et on était là-bas, il me semble. Ouais, on a fait le tour, en fait. Un petit truc. Il y a toujours celle là-haut. C'est quoi là-bas? C'est un noyer? C'était quoi? Ah, il y a des moutons encore, en fait. Je vais le voir. On va pouvoir mettre ça. Alors, du coup, là, on est en quelle couche? X, Y, 64. Ah ouais, faut qu'on descende profond. J'ai pris un screen, comme un ISO. Donc. Là, j'ai 2 pioches. Je suis pas mal. On va attendre la nuit pour descendre. Là, on va essayer de clean un peu le village. Dès que c'est la nuit, on descend, on farm dans les grottes. Parce qu'il me semble qu'il y a moins d'ennemis la nuit, hein, dans les grottes. D'ailleurs, ça, c'est une église, c'est ça? Oh, il y a un truc d'alchimie. Lol, je savais même pas qu'il y avait un alchimie ici. Oh, il y a des vitres de couleur, c'est stylé. Il me semblait qu'avant ici, il y avait un coffre quelque part. Si je me trompe. Ah, il y en a plus. Oh, mais regardez. Oh, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ces paysages. Regardez-moi cette vue sur le village. Sachant que là on voit qu'une partie, hein, ça part encore tout au long là-bas. On est dégagé, on a un biome neige juste à côté, je vois. On avait l'Antarctique là-bas. Il manque plus qu'un désert en fait. Hein. En plus là on a un bol étendu. La nuit elle va tomber donc. Du coup je vais essayer de faire les murailles, comme tu m'as dit, Drama. Il me semble que je peux la faire aussi en comme ça. Et je fais comme ça aussi, comme ça ça gagne de l'XP et c'est bien de faire comme ça. Ça me fait de l'XP en plus. C'est quoi qui se balade là-bas? C'est un cochon ou un PNJ? Je serais un peu étonné de voir le PNJ.
Non, faut que... Ah, c'est vrai. Comme ça, hop. Du coup, tu me disais comme ça? Ah ouais. Ouais, bah, en final, ça refait la même chose, ça en fait 6. Et ça fait un peu plus d'espace. En plus, là, je suis full. Hop. Ah, j'ai beaucoup trop de trucs, regardez-moi cette richesse. Vous avez déjà vu un joueur dans Minecraft se plaindre d'être trop riche? Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça là? Y a pas un truc que je peux vider, que je peux jeter? La canne à sucre. Je peux aller la planter ici. Voilà, ça me fait une place. Du coup, ouais, ça me fait 6 de muraille là. La nuit est en train de tomber. On a une petite pomme. Voilà, on va mettre ça ici. On n'a pas de la terre au fait. Bon, on va mettre de la diorite. Ouais, allez, c'est quoi? J'ai une petite astuce. J'ai juste utilisé la pelle en bois. On va creuser. Donc là, couche touche, on va y aller. On termine un peu. Il y a un truc à côté. Je sais pas si c'est un creeper ou pas. J'ai entendu un truc se déplacer. Déjà, on va faire ça. Ça va éviter aux mobs d'entrer. Une ligne pour le moment. Il y a ici aussi que je peux le faire. Ici, du coup, comment je m'y prends? J'y mets ça. Ouais, je vais miner comme ça. Pour faire une petite baisse. Hop. Je vais rechercher la terre là-haut et on va partir à la grotte. Au moins, j'ai sécure cette zone. Y'a pas un coffre en fait? Non. J'ai l'impression qu'il y a des villageois qui ont été tués déjà. Peut-être